On est sur le trip de Weshden, réfléchir. Ça va péter. Et la caméra tourne. Musique. Il y a quatre histoires, comme enfin, il y a quatre histoires. En gros, c'est des histoires qui font un petit peu réfléchir. Donc c'est pour ça que ça s'appelle pas les réfléchir, comme le refrain aussi. Et du coup, c'est des histoires qui font réfléchir et qui parlent un peu de la vie quotidienne des adolescents qui font des choses. Bah du coup, on va dire moi, c'est une espèce de leçon de vie que je leur donne. Mais voilà. Et voilà, le clip sera assez cool. Et en fait, c'est trop bien. Vas-y moteur, ça tourne et action. Il est en couple, ça date, mais madame n'est plus un petit soin. Ma communauté m'ont connue sur TikTok. Du coup, bah, je trouve ça cool de les appeler aussi. Parce qu'en plus, les TikTokers, elles ont fait grave des TikToks sur moi. Du coup, j'ai décidé de les appeler. C'est la première fois que je fais un clip de ma vie. Franchement, c'est cool. Ça, c'est Brut. Tu connais Brut, le média Brut? Non, c'est Brut. Le média numéro 1 français. On m'a dit de passer. Du coup, en tant que bon ami, je suis passé. Ouais, un petit peu plus souriant en fait. Dans les refrains, les histoires c'est cool quand tu les fais sérieux, tu vois. Bien straight. Et le refrain, tu vois, c'est piqué en jeu. Non, j'ai pas trop apprécié cette prise, donc j'ai pas filmé. Super vise, je regarde que tout va bien. Aujourd'hui, je suis pas trop prise de tête parce qu'il y a déjà une grosse équipe de réel. D'habitude, c'est moi qui fais tout ce qu'ils font. Mais là, bon, j'ai mis le budget pour m'asseoir et regarder, sourire et te parler. Bah j'ai parlé une fois dans des médias et c'est un mauvais souvenir je crois. Un personnage comme Fenu, il y en a pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quand il y en a un, ils veulent le descendre à tout prix. Tête de ma mère que si je suis pas arrogant, tu m'aurais pas invité ici aujourd'hui. J'ai fait du handball gros. Tu vois ce que je veux dire? Pour pas qu'on dise que moi je suis un Renoir comme vous. J'ai pas envie d'être un Renoir comme vous. Ouais, j'ai parlé 40 minutes où je me suis ouvert. Il y en a qui ont bien pris la vidéo, il y en a qui ont mal pris. Du coup, j'ai dit, bah, maintenant je parle plus et je vais laisser mon travail parler. Tu trouves qu'il y en a qui ont mal compris tes propos? Ouais, en fait, c'est pas qu'ils ont mal compris, c'est que je me suis mal exprimé. C'est que j'ai trop parlé comme si j'étais. Tu vois, même là, je te parle comme si t'étais ma pote, quand t'es une journaliste. Et c'est ça, c'est l'erreur que j'ai faite en fait. C'était ma première interview, des erreurs, mais tout ce que j'ai dit, c'est vrai et je regrette pas m'y dire. T'es là? Je suis là, je suis là. Tu me prends en photo? Hein? Tu me prends en photo? Ah, oui, c'est vrai. Tu peux me mettre en photographe et me demander de prendre en photo. On est dans un hôtel particulier à Paris où on a regroupé tous les décors parce qu'il fallait un seul lieu pour 5 décors différents. Il faut que chaque décor ne se ressemble pas, qu'on grille pas le fait qu'on soit dans le même lieu, etc. Mais on a bien cherché puis on a bien trouvé. Il vient d'avoir un job, du coup ils vont fêter. C'est un peu speed parce qu'on doit quand même tout tourner en une journée, mais ils sont super pros, super à l'écoute, il y a une bonne ambiance, c'est cool.